Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's Vape. Aujourd'hui, c'est le troisième jour du calendrier de la vape. Nous sommes le mardi 3 décembre 2019 et aujourd'hui, il est l'heure d'ouvrir une nouvelle case de ce calendrier. Et dans cette case, il y a tout simplement le Cornis de chez Vapdustrie. Les copains belges m'ont encore une fois envoyé leur liquide et cette fois-ci, on parlera de toute la gamme. Encore une fois, le Project One, OID Mix, Cornis, le Just Red et le Teapot, le Summer Tea. Mais tous ces liquides-là, vous les découvrirez tout au long du mois de décembre, on va dire avec plusieurs petites revues qui parleront un à un de ces liquides. Alors sans plus attendre, on va parler du Cornis. Le Cornis, on va le vaper et après je vous en parle. Encore une fois, je le dis, je suis vraiment pas non plus à la base friand de gourmand. Mais quand ils sont bien faits, ça fait plaisir, quoi. Quand ils sont vraiment bien faits, ça fait du bien de pouvoir vaper un bon petit gourmand. En plus, ça commence vraiment c'est la période, on va dire, en décembre, l'hiver. L'hiver, on a plus tendance à vaper du gourmand que du fruité ou du frais. Donc voilà, ça redevient un petit peu la période, là, cette fois-ci. On ne pouvait pas passer à côté des gourmands sans parler des gourmands de chez Vapdustrie. Et Vapdustrie nous propose deux gourmands, donc le Cornis qu'on présente aujourd'hui et le Project One qu'on va présenter dans les prochains jours. Alors voilà. Bon, il m'avait manqué un petit peu ce Cornis quand même, parce qu'il est quand même vraiment très 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 bon en fait. Il n'y a pas à dire, je suis vraiment pas, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment pas gourmand à la base. Mais par contre, ce Cornis, c'est vraiment quelque chose de top du top. Au niveau de la saveur, les saveurs, quand je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans, sachez que les saveurs sont extraordinaires. Selon moi, il y a deux saveurs. Donc en fait, une à l'inspiration, une à l'expiration. Alors je vais vous lire un petit peu le descriptif. Qui est fait de ce Cornis, donc étonnante déclinaison de maïs agrémentée d'une glace vanille onctueuse. Alors, déjà, on y est complètement. Alors, simplement, l'étonnante déclinaison de maïs, on l'a tout au début de la phrase, et donc du coup, on l'a à l'inspiration, et à l'expiration, on a la fin de cette phrase, agrémentée d'une glace de vanille onctueuse. Alors, sachez que les saveurs sont vraiment extraordinaires. Les saveurs sont vraiment extraordinaires et il n'y a vraiment pas à dire. Vapdustrie, ça reste une gamme très 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 intéressante et qui est disponible partout hein, aussi. Généralement, vous pouvez vraiment les retrouver dans la plupart des shops aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis vraiment pas gourmand à la base, mais je trouve que cette fois-ci, avec Vapdustrie, on a un gourmand hyper bien travaillé, hyper bien fini, bien arrondi, etc., etc. Et donc du coup, ça nous donne une vape très, très agréable, très confortable en fait. Donc voilà, donc en gros, sachez que le Cornis, ça reste un liquide que j'adore. Donc sachez que la plupart des liquides que je vais vous présenter, on va dire 90% des liquides que je vais vous présenter sur ce mois, c'est des liquides que je connais déjà, que j'ai déjà vapé, 50, 60, 100 ml même s'il le faut. Et donc du coup, c'est juste ma manière à moi de vous montrer un petit peu ce que moi je vape, tout simplement, et de vous donner les indications sur des liquides qui pourraient éventuellement vous intéresser. Alors le Cornis, c'est étonnant, comme je vous l'ai dit, je le répète, je ne suis pas gourmand, mais ça a fait partie de ma vape pendant très longtemps, il m'avait bien manqué, ça fait bien quelques mois que je n'étais pas reparti dessus, et je ne suis pas sûr que je le rangeais tout de suite. Donc en gros, Vapdustrie, sachez que leur gamme est vraiment exceptionnelle, et que vous pouvez en trouver pour tous les goûts. Je vous ai dit, il y a Project One, Holiday Mix, Just Red, Cornis. Donc je ne vais pas vous faire le descriptif de ces liquides-là, vous devrez revenir sur les prochaines vidéos justement pour les connaître. Et en tout cas, si vous êtes intéressé par ces liquides, n'hésitez pas à vous les procurer. Je tenais à remercier Vapdustrie qui m'a envoyé ces liquides et qui m'a simplement dit présente ce que tu veux. Ils m'ont dit clairement présente ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de présenter l'intégralité de la gamme. Tu présentes les liquides que tu as envie de présenter, les liquides que tu aimes. Et donc, fort heureusement pour eux, j'aime tous leurs liquides. Et donc, du coup, on va tous les présenter sur ce mois du calendrier de la vape. Si vous n'avez pas encore checké les vidéos précédentes, n'hésitez pas à les checker, ils sont encore disponibles. Et
on parle de liquide aussi tout à fait intéressant. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne et à activer la cloche des notifications, à laisser un petit pouce en l'air également, ça me fera toujours plaisir. Et vous abonner et activer la cloche de notification, ça vous permettra de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos et pour faire en sorte de ne pas oublier de regarder la vidéo de demain par exemple. Et donc en attendant, on se dit à demain pour une prochaine vidéo et en attendant, une bonne vape.